Je connais bien l'Institut français. 80% de mes rendez-vous, c'est à l'Institut français, à la CAFETE. Ça veut dire, et beaucoup d'artistes se rencontrent ici. Il y a la bibliothèque et il y a les conférences qu'on ne rate pas. Et ce qui fait que l'Institut français, pour moi, comme artiste, c'est devenu ma maison. Et c'est très bien de permettre à beaucoup de gens de voir certaines choses gratuitement. Parce qu'il y a des espaces qui existent, c'est vrai, mais ils n'ont pas ces moyens-là pour permettre aux gens de voir gratuitement. Donc, ça veut dire que, quelque part, l'Institut français subventionne des tickets pour les gens, et ce n'est pas rien. Et venez à l'Institut français parce que c'est un espace culturel comme les autres. C'est une salle qui reçoit tout le monde. Et si vous venez trouver la police en train de vous fouiller, c'est pour votre sécurité à vous d'abord. Et donc, je pense qu'on doit se sentir bien. Et il n'y a pas de différence. C'est très important aussi de rentrer, suivre un spectacle avec des gens de diverses nationalités. Et ça permet de voir la pensée des gens aussi et de juger les spectacles ensemble. Voilà.